Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'avais le goût de tester des trucs un peu chelous que j'ai trouvé en Pologne. Vendredi dernier, avec Garline, on s'est dit qu'on allait chercher un peu des trucs chelous qu'on trouve à Auchan. Et finalement, on est tombé sur pas mal de trucs, que des trucs sucrés. Il y a énormément de chocolat et tout parce que je pense qu'ici, ils kiffent ça. Ils ont des grands rayons en vrac où il y a plein de chocolat et tout, donc c'est assez marrant. Et on s'est dit, il faut qu'on teste. J'ai vu que dans les rayons, que les trucs apéro un peu salés et tout, on a les mêmes en France, donc je me disais que ça servait à rien de vous remontrer les mêmes choses juste écrit en polonais. Et aussi que les trucs salés, je veux dire spécialisés, c'est souvent des trucs chauds qu'on trouve dans les restaurants et tout. Donc il y a genre des pierogies, il y a des soupes, etc. Mais c'est super bon et franchement je le conseille énormément, les spécialités polonaises. On se retrouve avec la suite de la vidéo, à tout de suite. Soda, enfin c'est genre un soda, ouais. C'est du durant. C'est un fruit qui pue de fou. Par contre, j'ai pas goûté. Donc à ce qui paraît, c'est aussi dégueu. Yes, ça pue, c'est dégueu, on prend. Je sens l'odeur d'ici. C'est vrai? Ouais, mais ça pue pas. Ah, tant mieux. Ça sent le shampoing. Mmh. C'est bon. Je dirais un 8 sur 10 parce que c'est plutôt bon. C'est pas trop sucré, heureusement, et bah c'est pas dégueu. On va tester des trucs à manger. On dirait des pims, mais il y a aussi ce fond. C'est grave chelou. Ah, ça ressemble à ça. Non, ça a pas fondu, ça a coulé. Mmh. C'est assez sucré, et ça goûte le citron chimique en fait. Je lui mets une note de... Non, je lui mets genre 4. Sur 10 parce que c'est mangeable. S'il y a ça au fond de mon placard, je peux pas manger. Pour obvious. J'ai vu ça, on dirait un caramba. Il n'y a rien écrit dessus. Ça a l'air d'être un caramba. Ça goûte quand j'étais petite. Meuf, je te jure, goûte. Il y avait des gâteaux quand j'étais petite à l'école qui avaient ce goût. T'as vu? En fait, ça a le goût de l'odeur. Ça goûte de l'odeur de, des espèces de frangipanes. Ou non, pas des frangipanes, des gâteaux. Les madeleines à la vanille. Non, ça a le goût de l'odeur des cicadères de la marque Cian. Ah ouais? Ouais. Mais c'est trop bizarre, je m'attendais vraiment à un truc à la pêche ou je sais pas quoi, genre un carambar à la pêche. Premièrement, ça fond en bouche et donc ça se mange super facilement, c'est pas aussi collant que les carambars. Et ça a vraiment le goût de gâteau quand j'étais petite en fait, de genre de madeleine. Agréable surprise. Je mettrais un 8 sur 10, vraiment, je suis genre agréablement surprise. Je suis vraiment choquée, genre c'est trop bon en fait, je suis contente. Ah ouais, ça je voulais tester, ça a coulé aussi. Ah, il y a le motif de dessus. Non, ça regarde, ça ressemble à ça. Je sais pas comment décrire. En fait, c'est l'intérieur que j'arrive pas à décrire. Ça a le goût d'orangette en fait. Ouais. T'as vu? Ça a le goût d'orangette. En gros, je pense que c'est à l'orange. Il y a un chocolat anglais ou américain, je sais pas. Je sais que j'avais goûté en Angleterre, qui est en forme d'orange, qui est super bon. Vraiment, avec ma pote, on l'avait grave fini à fond et tout. On en cherchait partout en Angleterre, on en a plus retrouvé. Audrey, si tu passes par là, je te fais des bisous. Moi aussi, Donc je vous mets une image, juste si vous savez si on peut en trouver en France, dites-le moi en commentaire, ce serait tellement adorable. Merci beaucoup. Je mets bien un 8 sur 10. Un like. Ok. Bon bah le deuxième comme ça, mais version arrondie on va dire. Ça a l'air d'être au raisin. Malaga, je sais même pas ce que c'est Malaga. Ça se trouve il y a des boulons qui regardent la vidéo qui... Genre ça a des grosses barres tu vois. What the fuck. C'est bizarre parce qu'il y a des goûts ici qu'on n'a pas en France. Genre, ça n'existe pas. Ça a le goût d'amande et de coco. Bizarre, genre c'est trop bizarre. Franchement c'est super bon, je mettrais vraiment un 8 sur 10. Littéralement, genre faut que j'arrête de mettre des 8. T'as vu? Donc celui-là, j'en avais testé un peu pareil, mais c'était tiramisu je crois. Ah ça, du coup. Grave bon. Ça devrait être la noisette en tout cas. C'est frais wesh. Oui je vous jure c'est hyper frais, trop bon. Là je mets un 9 hein. C'est genre tu sens le chocolat, tu sens un peu les noisettes, tu sens que ça croustille. Et c'est pas trop sucré. J'adore. Truc trop chelou. Ah, ça se trouve, c'est le truc au marshmallow là. J'aime pas. Ah non. Non, quand j'ai parlé, ça, c'est au cacahuète.
Par contre, c'est super bon. Je mets un 8,5 sur 10. En fait, ça a le goût de Reese's. Vraiment, vraiment. Ah. Ça, si c'est pas de l'orangette comme goût. Il a souffert. Doux mou. Au vert sucré, genre de la pâte aux fruits et à l'orange. Enrobée de chocolat. On met 4 sur 10. Alors, faut que je teste d'autres boissons quand même. On se demande ce qu'il y a dedans. On dirait une petite bûche, c'est trop chou. On dirait les chocolats à Noël, là. À voir. C'est bon. Pas trop sucré. C'est un arrière-goût un peu fort. Genre, bah, je pense que c'est de la liqueur, mais moi, j'aime pas trop. Je tirerais un 6 sur 10. T'as goûté? T'as bien aimé ou pas? Ça sent la meringue. Oh, waouh. C'est hyper étonnant. Wow, j'aime trop. Ah, j'adore. Putain, je mets un... 9. Je vais tester une boisson du coup. Je boirai au bout de 3, 1, 2, 3. Maintenant on va tester le mango. Ok, mangoustan. Ça sent over le fruit de la passion. Bah c'est pas sucré du tout. C'est le fruit de la passion. What the fuck. Goûte. Bien 7,5 parce que en soi, ça n'a pas le goût du truc. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ça goûte moins le peanut butter. J'aime bien. Moi, c'est un peu décevant. Mais je mettrais un. C'est du même histoire que si. Oh! C'est là. On dirait des petits sapéry cubes ou. Vous savez, des cubes d'or, j'imagine. Moi, je crois que c'est du caramel ou sésame. C'est over bon. J'aime bien. Je mets un 8. Non, je mets un 8 parce que ça, c'est grave bon, quoi. Hein. Oh! Des petits Père Noël. Là, faut tirer un autre degré. Oh, ça goûte le chocobon. Je mets un 9,5. Trop bon. Ah, ça, je pense que ça goûte, c'est le after eight. C'est un petit peu avec ça. Wow. Ça goûte dentifrice. Ah, mais je mets genre 2. 1. Attends, que j'ai un degré. Ah, bon, c'est un papillon, quoi. Je pense pas que c'est polonais, mais j'ai vu ça dans les rayons, j'ai fait il faut que je teste. So, oh. C'est infect après le gâteau. Là, c'est presque fade en fait, c'est pas sucré, mais c'est presque fade. Ça sent pas du tout la mangue et tout. Et je sais pas si c'est par rapport au gâteau, mais après j'ai repris mon gorgée de ça. Mais là, je suis déçue, je mets un 4 hein, pour 110. Ah, c'est une bonne sensation, c'est bien. Oh, je crois que c'est les trucs comme elle m'a fait goûter au boulot. En gros, ma patronne m'a fait goûter des espèces de gâteaux ukrainiens. En fait, c'est une prune au goût de chocolat. Je mets un 7. Oh, crème fudge in milk chocolate. Non, je vois pourquoi on met ça. Trop bon. Ultra sucré, au vert du lait. Mais qu'est-ce que c'est bon? Ça colle aux dents. C'est un truc sans les biscuits. C'est trop bon. Ça colle bien aux dents. Tiramisu. Du coup, pour revenir au truc, j'avais que j'ai dit ça. Mais wesh, oh, comment je dérape. Ok, la caméra est coupée pour la 20ème fois, mais je peux pas vous donner. Berlin. En fait, j'aime bien. Ça goûte pas du tout le tiramisu en fait. Non. Voilà, donc je mets un 6,5 sur 10. Non, Carline. The Golden Lily. Bon, ça doit être un truc de caramel, j'en suis sûre. Du caramel. Ça goûte les Michoko. En gros, pour l'anecdote, quand j'étais petite et que j'allais chez ma grand-mère, il y avait toujours un petit pot où dedans il y avait des Michoko. C'est des. Oh, je
une espèce de bonbon au caramel. Regarde, ça me rappelle mon enfance. J'aimais trop ça. Je dirais un bon 8,5 sur 10 parce que c'est trop bon. Genre vraiment, c'est trop bon. Quand tu vois le sachet, tu peux pas deviner ce que c'est. Genre, what the fuck. C'est ça, j'ai donné moi. Ah, même pas. Il y a un truc à Noël, ça a le goût. Ah, même pas. Un. Je mets un sur 10. Ok, il est parmi. Ouais. Bon. Le truc à la pistache, je voulais la goûter. Impatient de goûter, genre quand j'allais jouer, je me suis dit, oh là, faut que je goûte. En plus, je joue au coup. C'est la fatigue, c'est quelle heure, c'est minuit. Eh bah, tu sais ce pays. Trop bon. Ça goûte le chocolat blanc plus le chocolat au lait. Genre le Kinder Bueno. Non, pas un Kinder Bueno, Kinder. Surprise. Ça goûte le Kinder Surprise en fait, c'est trop bon. Par contre, la pistache, je ne sens pas du tout. Super bon, je mets un 8,5 sur 10. On va goûter du coup la dernière boîte. Oranjada. Ça ressemble à ça. C'est gazeux. Est-ce que vous entendez? Oh là là! Ça sent à la Réunion quand j'étais petite et que je buvais du. Putain, comment ça s'appelait? Ça s'appelait du. Je ne le trouve pas en France. C'est genre du. Pas... Non, c'est pas Pago. Non, c'est. Bon, je vous mets le nom juste là. J'ai ça avec un sandwich, genre un panini au bouchon. T'as goûté ou pas au goût? Ça goûte le soda, le même, exactement le même, mais sans sucre, mais genre pas sucré. Je suis grave déçue. Je mets genre un 3. Oh! Je sais pas comment le décrire, c'est assez bizarre. Un petit... C'est ça. Rum flavor. Saveur rum. Un peu caramel. Chocolat caramel rum. Assez sucré. Ça j'aime bien. Je mettrais 7,5. Et du coup le dernier, c'est encore un truc qui ressemble à un apéricule. Non pas un apéricule, mais un cube d'or. Merci. Pour finir, encore un dernier petit caramel. On dirait du pavot dedans. Ça a le goût un peu de caramel au pavot. Genre, bah, je pense que c'est du pavot dedans. Je mettrais un 8 sur 10. Franchement, c'est pas mal. Donc, dans l'ensemble, je suis plutôt contente parce qu'en soi, j'ai pas un truc. C'est souvent très très sucré. Les deux boissons un peu originales, on va dire, et bah, finalement, c'est celles qui m'ont le plus. Étonnée, je suis contente. Bah, je suis plutôt agréablement surprise dans l'ensemble. Après, c'était très sucré, donc je pense qu'à la fin, là, j'ai fait une overdose de sucre. Vraiment. Et en plus, avec la fatigue, sachant qu'il est bah, minuit 15. Merci. Je vais faire un bon dodo. Ouais, je vais faire une pire bisou. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve vite. Bisous, les gars!